Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce tirage que je vous propose pour aborder sereinement, ou en tout cas avec le plus de précaution, le mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous ai proposé de nouveaux horaires qui vont être publiés bientôt sur ma chaîne YouTube, mais également sur mes réseaux. Et je suis contente de pouvoir vous proposer cette vidéo en complément de celles qui arriveront pour la semaine. Comme je vous l'ai indiqué, je réduis le nombre de vidéos, mais j'espère pouvoir les cibler plus et pouvoir effectuer toujours un meilleur montage et, n'est-ce pas, pouvoir également répondre à l'ensemble de vos demandes. Ainsi, nous allons pouvoir commencer à étudier ce que ce mois de septembre va nous réserver, selon les cartes donc du jeu de haut et du copé. J'ai pris une carte de Tandwu pour nous donner une tendance générale. Très bien, donc on nous annonce une voie sans issue. Donc ce mois de septembre s'annonce d'ores et déjà un petit peu bouché au niveau de ce à quoi nous risquons d'être confrontés. Nous avons donc la carte de l'expert. Cette carte ici nous parle bien souvent de professionnels, de gens qui sont très au fait de leur domaine d'activité. On peut également nous parler ici d'une tendance qui sera reportée sur la rentrée, hein, donc reprendre un petit peu tout ce qui est étatique, nous annoncer les lois qui sont votées depuis ce mois d'août et refaire un point comme notre président souhaitait le faire. Et l'illustration qui est combinée avec la carte de l'expertise est le handicap. Donc ici, on voit que nos experts ont des difficultés pour l'instant. Et pour ce mois de septembre. On nous parle d'ennuis à venir. Donc ces ennuis sont complétés par cette carte-ci, qui représente une main qui semble vouloir modeler un corps avec de la glaise. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais on a une masse de laquelle se distinguent des jambes et un corps. Donc ici, on va nous manipuler clairement. Nous allons encore avoir des ennuis. Nous allons encore être soumis à des contraintes qui viennent bien au-dessus de nous. Et on nous alerte pour ce mois de septembre sur le fait qu'on tente toujours de nous pétrir, de nous donner la forme dont on a envie qu'on prenne. Attention, attention. On nous parle de dette. Et ici, nous avons une illustration qui représente une personne qui veille une personne décédée. On voit ainsi son évolution au niveau des plans spirituels. Ici, on nous parle d'une dette ancestrale. Et nous savons tous et toutes ce qui se passe actuellement avec les relations en Afrique. Ici, on nous dit que ces dettes ancestrales ne sont pas oubliées. On nous dit que nous allons devoir certainement faire face à des choses qui ont été mises en place il y a bien longtemps et qui sont toujours d'actualité. On nous parle de dépendre d'eux. Et nous avons ici un symbole, on va dire, peut-être un peu celte, qui peut représenter des menhirs. On nous représente en tout cas un culte. Et ici, on nous dit qu'on va dépendre de cet enseignement, de ces paroles, de ces rites. Donc, il va falloir faire attention et je vous laisse interpréter chacun et chacune ici de quel rite vous pensez que l'on nous parle. Parce que nous pouvons voir aujourd'hui des restrictions, par exemple, au niveau des abayas, puisque ça a été demandé et interdit donc dans le système scolaire. Donc on peut nous parler des rites au niveau des tenues des personnes musulmanes, mais on peut nous parler aussi de rites qui sont, de nouveau ici comme je le disais, ancestraux, et dont nous dépendons au niveau de notre organisation. Donc il peut ici y avoir plusieurs types de rites, c'est ce que je tente de vous expliquer. Mais comme cette carte
est indiqué en tant que dépendre d'eux. Pour moi, nous sommes toujours dans ce que nous avons appris en tant que vérité. Nous dépendons de ces rites qui nous ont été initiés par les grands penseurs et par l'école, par toutes nos institutions. Nous sommes malgré tout en danger vis-à-vis de ça, et d'ailleurs la carte qui complète ce danger est la carte de l'ours qui attaque. Attention. Attention pourquoi ? Alors ici ce ne sont bien entendu que des cartes, et il ne s'agit pas de vous imposer une vérité quelconque. Je sais que depuis le 25 août, il faut faire encore plus attention à ce que l'on publie, à ce que l'on dit. Et écoutez, dans la voyance, il n'y a absolument aucune certitude. Et comme je le dis bien souvent, si j'en avais, je pense que j'essaierais de pouvoir porter tout de suite mes informations auprès des sources de police et des sources judiciaires. Maintenant, je ne peux qu'essayer d'aider. Donc ici, ce danger est représenté par l'ours. Je pense que notre symbolique ici est très claire, en tout cas pour ceux qui le savent. Monsieur Poutine est considéré est comparé à un ours au niveau de ses combats. C'est un vrai combattant, il a fait plusieurs années de sport de combat, il est très très fort. Donc ici, on peut nous parler de tensions qui risquent d'augmenter encore avec la Russie. Nous avons la carte du rire, qui est malgré tout complétée par ce monsieur qui semble vraiment ennuyé. Donc je pense que les apparences ici sont claires. On nous parle d'un mois de septembre dans lequel il pourra y avoir une relation, bien entendu, on va dire, légère pour les enfants, avec une vie, avec leurs habitudes de vie. Malgré tout, les adultes, eux, se montrent très soucieux. Et ça va continuer sur septembre. On nous parle maintenant de rigidité, tout de suite après les rires. Et on voit une personne qui, alors semble-t-il, étouffe une autre personne. Hein. On voit que l'autre essaye de lui attraper le bras pour se sortir de cette prise. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment des soubresauts. On nous représente vraiment le peuple français. Et cet étouffement au niveau des prix, au niveau des conditions de vie, au niveau de tout ce qu'on entend passer par les médias et par les réseaux sociaux. Et malgré tout, nous sommes face à un gouvernement qui reste extrêmement rigide et qui semble donner une impression comme ça au peuple d'une volonté mortifère sur lui, parce que le peuple ne comprend plus ce qui se passe. On nous montre la joie et on nous montre ici la nature et un petit enfant avec un adulte, un équilibriste. Pour moi, vraiment, on nous invite à nous recentrer sur la famille. On nous dit qu'à l'extérieur, tout va être de nouveau bien, bien assez compliqué et bien assez tronqué, encore une fois. Pour moi, on nous invite à prendre le temps d'aller nous ressourcer et dans la nature et dans nos familles. Nous sommes dans une situation d'équilibre fragile ici, attention. La carte nous indique le faux, et le faux est recouvert par cette illustration d'un bateau qui a coulé, d'un petit village et d'un orage au fond. Alors ici, le paysage qu'on nous propose en fait peut indiquer que sur septembre, nous allons encore une fois avoir des informations qui risquent d'être de nouveau un petit peu tellement surveillées qu'elles ne dépendront plus que d'un seul filtre. Et malheureusement, cela va limiter la liberté d'expression. On nous parle ici d'anéantir la joie, d'anéantir la paix, de faire couler les informations et de ne plus pouvoir arriver jusqu'à bon port, en fait. Donc, pour moi, il n'y a pas de volonté de maîtriser des complotistes ou des choses comme ça. Il y a vraiment des vérités qui ne veulent plus qu'ils soient données. La stupidité est recouverte par ces traces de doigts peintes en bleu par cet enfant. Je pense qu'ici, sur septembre, toujours, on a la rentrée des classes. On a de nouveau toutes ces réformes qui sont prévues pour les scolaires. Et je sais que beaucoup de parents se sont plaints au niveau des nouveaux programmes. Mon enfant n'est plus scolarisé dans ces études-là, donc je n'ai pas tellement suivi les réformes, mais j'en ai entendu énormément de mal, notamment parce que les choses n'ont pas été mises en place en amont.
Et on a demandé encore une fois une adaptabilité énorme au système professoral et à tout le corps enseignant, ce qui n'est jamais possible puisqu'on parle d'humain ici et que les choses doivent être préparées. Je sais que ici, pour moi, je ressens vraiment que l'enfant est maltraité, que l'enfant, encore une fois, va être soumis à des restrictions qui ne me concernent même pas, en fait. On avilit encore une fois l'enfance ici. Une situation de colère pour le peuple, sûrement, parce qu'ici, ce sont des gens bien plus élevés, d'un statut social bien plus élevé, qui sont contents. Donc, on n'est pas à l'abri de nouvelles manifestations, peut-être. Qu'est-ce qu'on nous dit? Caché. Caché et avec le masque qu'on range en cage. Hein. Donc, pour moi, vraiment, c'est de nouveau en septembre, on va continuer à nous cacher un maximum. La vérité, à porter un masque face à nous et à ne pas nous dire les choses telles qu'elles sont, à ne pas se montrer sous son vrai visage. Voilà ce que je pouvais donner comme indication avec le jeu de haut pour ce mois de septembre. J'espère que ces cartes sauront vous guider. N'hésitez pas à prendre une photo de cet écran si vous le souhaitez afin de vous remémorer et d'essayer de, au fur et à mesure, apporter vos propres éclairages face à ces cartes et à leurs illustrations. Je vous remercie d'avoir été présent pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous un excellent mois de septembre. Restez prudents, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.